Frédéric Lefebvre-Narré, bonjour. Bonjour. Nous nous situons dans un magnifique parc, un lieu chargé d'histoire. Où nous trouvons-nous exactement et en quoi ce lieu est-il important pour nous aujourd'hui ? Oui, ici donc c'est l'abbaye Notre-Dame d'Argenteuil, plus exactement ses ruines. C'est là qu'a vécu toute son enfance, une douzaine d'années probablement, et puis de nouveau une douzaine d'années de 1117 à 1129. Donc Héloïse, qui est la grande figure de la ville d'Argenteuil, à laquelle beaucoup de lieux sont dédiés, et donc une intellectuelle du Moyen-Âge. Donc il y a quelques pierres qui sont d'origine, et peut-être ces voûtes-là sont-elles celles du réfectoire, la cantine, qu'elle a connue quand elle habitait ici. Vous me disiez tout à l'heure en off qu'on était à une journée de marche, finalement, de Notre-Dame de Paris. Alors, une demi-journée même. Effectivement, il n'y avait pas les ponts d'Argenteuil ou d'Asnières à l'époque. Soit on prenait le bac, j'imagine, soit on passait par Saint-Denis. Et il y avait effectivement une demi-journée de marche jusqu'à l'île de la Cité. À l'époque, Paris était déjà une ville rayonnante et très importante, par rapport en tout cas à Argenteuil, mais tout tenait sur l'île de la Cité, hein, le savoir, la religion, le palais royal, etc. Pratiquement tout était sur l'île de la Cité à cette époque-là. Voilà, donc c'était quand même un petit trajet, quelques heures de marche. Alors est-ce que vous pouvez me dire qui sont Héloïse et Abélard ? Voilà, donc Héloïse d'Argenteuil, comme on dit parfois, donc qui a vécu ici. Abélard, son mari, donc qu'elle épouse, enfin avec lequel elle a une liaison torride en 1115-1116, probablement à Paris. Ils ont ensuite un enfant. Elle le nomme Astralabe, un nom scientifique, hein, qui désigne, disons, peut-être l'ancêtre du sextant, ou en tout cas un instrument d'astronomie et d'astrologie aussi, ou de navigation. Après, Abélard décide de l'épouser. Elle n'est pas très contente parce qu'elle préférerait rester son amie, son amante, sa maîtresse, plutôt qu'une épouse légitime. Elle pense que c'est un esclavage économique, en fait, d'être la femme. Ça la met en situation d'être la femme de quelqu'un. Ça la met en situation de subordination. Elle n'est pas contente du tout. Et des textes dans lesquels elle va dire ça font partie vraiment des textes les plus célèbres de la littérature mondiale. Néanmoins, elle accepte de l'épouser. Et malheureusement, Abélard est un très mauvais mari. Il veut que ce mariage reste secret. Finalement, il lui dit de retourner à Argenteuil comme pensionnaire, comme hôte de l'abbaye. Il vient quand même lui rendre visite, au moins une fois. Et ils font l'amour dans ce réfectoire ici même. C'est de veut dire qu'il n'avait même pas réussi à se débrouiller pour louer une chambre en ville. Il n'était pas débrouillard, c'était un pur théoricien. L'oncle d'Héloïse, chez qui elle était hébergée à Paris, est très mécontent du comportement de son gendre, finalement, enfin, ou de l'homme à qui il a marié sa nièce, et fait châtrer Abélard par des hommes de main. Donc ça, c'est un scandale public, et c'est encore pour ça aujourd'hui qu'ils sont évidemment connus pour cet épisode à la fois un peu ridicule, digne des faits divers. Et puis en même temps, toute l'histoire qu'ils vont vivre après, c'est-à-dire ils vont arriver très difficilement à reconstruire une forme de vie de couple et d'entraide mutuelle et d'amour qui va finir par être capable de se dire de nouveau une douzaine d'années après. On peut dire qu'ils ont quand même un certain écart d'âge aussi, que Abélard était le prof d'Héloïse et qu'elle a fait ses études ici aussi, et elle est devenue prieur de l'abbaye, alors j'ai noté la date parce que je ne la connaissais pas, en 1129, elle est donc très jeune. Voilà, alors Abélard avait quelques années de plus, probablement une quinzaine d'années de plus, effectivement, c'était le prof star, c'était un peu, pour ceux qui se souviennent de l'époque des nouveaux philosophes, l'époque où les BHL et autres arrivaient sur la scène, là, et puis
renversaient les vieilles idoles marxistes sans qu'on sache très bien ce qu'ils apportaient. Bah, Abélard jouait exactement ce rôle-là sur la place de Paris dans les années 1113-1114. C'était le prof star, même si on ne savait pas très bien ce qu'il amenait de nouveau. Et Héloïse, et il a dragué Héloïse, il trouvait ça très bien d'avoir une étudiante comme copine. Et elle-même était fascinée et tout à fait marchée dans la combine. Ça a été une histoire flamboyante, comme je disais tout à l'heure, dont il reste très probablement des lettres qu'on a retrouvées en 1968, donc c'est une découverte récente, les lettres des deux amants, 113 lettres, qui sont très vraisemblablement celles qu'ils échangeaient entre eux pendant cette histoire même. Donc elle, très jeune femme, probablement une vingtaine d'années à l'époque, 20, 21 ans, et lui qui en avait déjà 30, 35. Voilà. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui à l'université, je crois. C'est des choses plus communes aujourd'hui qu'à l'époque. Est-ce qu'elles sont plus communes aujourd'hui qu'à l'époque? Je ne saurais pas dire. Il n'y avait probablement pas beaucoup d'étudiantes à l'époque, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup dans l'histoire. L'enseignement, en tout cas, à partir de cette époque-là, l'enseignement a été de moins en moins mixte. Il y a eu de plus en plus de rigueur dans l'Église catholique d'aujourd'hui sur le célibat des prêtres, sur la séparation finalement des hommes et des femmes, beaucoup plus de rigueur dans les mœurs que ce qu'il pouvait y avoir encore à l'époque d'Abélard et Héloïse, où il y avait encore beaucoup de latitude, ou en tout cas voilà, la morale religieuse était moins intolérante en matière sexuelle qu'elle l'a été pendant des siècles. On peut peut-être noter, je pense que c'est important, que l'oncle d'Héloïse était chanoine. Le nommé Fulbert, oui. Et c'est lui qui va donner sa nièce, finalement, à Abélard oui, pour c'est son ça. Éducation. Donc elle était très probablement fille d'une religieuse. Peut-être même son père biologique était-il un prêtre, c'est discuté. Mais en tout cas, elle n'a pas été élevée par ses propres parents. Elle a été élevée finalement à l'abbaye d'Argenteuil, comme élève interne. Et donc, puis par son oncle qui était prêtre à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui n'est pas celle de l'époque, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui a été construite dans les décennies suivantes. Est-ce qu'on peut parler du contexte politique et théologique au XIIe siècle? Peut-être recontextualiser un petit peu cette histoire. On peut la recontextualiser, et je veux bien, mais c'est vrai que j'ai essayé de réécrire leur dialogue bon, en enlevant beaucoup de références médiévales qui peuvent faire kitsch aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, si je dis le mot templier, vous imaginez peut-être le bûcher, Jean de Molay qui a été brûlé, des gens qui marchaient sur la croix du Christ, ou etc., toutes sortes de bizarreries comme ça, qui de toute façon sont très postérieures, c'est-à-dire qui n'existaient pas dans l'esprit des gens à l'époque où l'ordre du Temple venait d'être créé, où il n'y avait pas encore de nouvelles croisades. Voilà, donc j'ai voulu éviter de mettre des références moyenâgeuses qui en fait seraient décalées par rapport à la réalité de leur vie. Mais il y a bien quelque chose qui se passait à l'époque et qu'on retrouve en fait dans beaucoup de pays, peut-être aujourd'hui plutôt des pays de tradition musulmane, qui est une tension entre deux interprétations ou deux vécus de la religion, une plus traditionnaliste, et une plus urbaine, plus intégrée à la vie économique et politique. Les traditionalistes accusant les autres d'avoir un comportement scandaleux ou de mélanger la religion avec de vils intérêts. Et puis les gens plus urbains, plus ouverts, etc., qualifiant au contraire les traditionalistes d'obscurantistes, d'imbéciles ou de fanatiques, voire même de dangereux et de violents. Et donc il y avait tout à fait cette tension-là. Le pôle, disons, urbain étant celui qui soutenait Abélard, le pôle plus de réformes religieuses, qu'on dirait aujourd'hui traditionnalistes ou intégristes, c'est des mots d'aujourd'hui, est représenté par Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, qui obtiendra finalement la condamnation des thèses d'Abélard et son excommunication, c'est-à-dire qu'il sera chassé de l'Église catholique, au moins sur le papier. Et Héloïse elle-même a dû naviguer entre les deux. Et l'abbaye d'Argenteuil est un petit peu typique de ça, que ça soit à l'époque où c'était les femmes qui l'occupaient, qu'à partir de 1129, où les femmes ont été chassées, et Héloïse entre elles, par l'abbaye de Saint-Denis, qui a récupéré l'emplacement pour y installer donc des moines, des hommes. C'est devenu une dépendance, un prieuré, ça s'appelle, de l'abbaye de Saint-Denis. Et donc, l'abbaye d'Argenteuil, elle a toujours été une sorte d'abbaye de cour, où on envoyait des gens de Paris, comme la fille de Charlemagne à une époque, qui n'avait pas un prestige religieux
spirituel, intellectuel particulier. Voilà, mais bah, qui était tout de même, était tout de même une abbaye, un lieu de prière, un lieu de méditation. Et donc, Héloïse elle-même a eu un peu à jouer sur ces deux tableaux et à s'entendre aussi bien avec, on va dire, le parti urbain qu'avec Bernard de Clairvaux et avec les religieux les plus traditionnalistes, on va dire. Des recherches théologiques et universitaires quant à Héloïse et Abélard aujourd'hui. Oula, résumer l'état des recherches, c'est trop me demander. Mais en tout état de cause, c'est peut-être intéressant de se dire que c'est un domaine qui est en pleine évolution. Hein, on pourrait imaginer que le Moyen-Âge, on en a fait le tour 28 fois et que on est juste en train de regratter les dernières au rayon X pour voir si on a écrit quelque chose sur autre chose dans des parchemins. Ce n'est pas du tout ça. C'est un domaine qui évolue très rapidement. J'ai parlé tout à l'heure des lettres qui sont probablement celles d'Abélard et Héloïse quand ils étaient jeunes, qui ont été redécouvertes en 1968, et dont les travaux qui établissent qu'elles sont probablement d'eux datent de 2005. Ah donc c'est de l'actualité récente. Il y a un article de 2007 qui analyse énormément de manuscrits de cette époque-là sont anonymes, on ne sait pas qui les a écrits. Et donc il y a encore tout un travail à faire pour reconstituer l'histoire de ces textes et qu'est-ce qui raconte quoi. Il y a par exemple un article de 2007 sur le catalogue d'une bibliothèque. Et l'auteur, Anne-Marie Turcan-Verkerk, montre que c'est le catalogue d'une bibliothèque féminine du XIe siècle, d'une bibliothèque d'une communauté de femmes. Et par toutes sortes de recoupements, elle conclut que c'est probablement soit celle de Chelles, soit celle d'Argenteuil. Et le gardien de la bibliothèque s'appelle Dodo, ce qui n'est pas un nom très fréquent. On peut dire aussi Dodon en français. Et à l'abbaye d'Argenteuil, il y avait un laïc qui s'appelait Dodon. Et donc il est possible, ce n'est pas prouvé, que ce catalogue soit bien celui de la bibliothèque d'Argenteuil. Et donc les livres avec lesquels Héloïse a étudié, a appris, et qui vont lui servir ensuite de référence dans toute sa production intellectuelle. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui reste encore à établir. Voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour comprendre. Et je dirais, autant l'œuvre d'Abélard est assez bien connue, elle n'est pas entièrement traduite, elle est énorme, il y a 1 million de mots qui sont restés, sans même parler des ouvrages perdus. Donc des milliers de pages d'Abélard sont connues. Et pour Héloïse, il y a beaucoup de suppositions, c'est-à-dire de textes qu'on envisage de lui attribuer, des poèmes, des chants, des lettres, etc. Et il y a encore toute une recherche à faire pour reconstituer l'héritage intellectuel d'Héloïse. Peut-on dire qu'avant Abélard, la théologie, comme on l'entend aujourd'hui, était une parole de Dieu, donc quelque chose de beaucoup plus dogmatique, et qu'après lui, c'est une parole sur Dieu? En tout cas, Abélard inaugure l'usage du mot théologie pour désigner un discours sur Dieu qui serait aussi exigeant intellectuellement
que le discours de la philosophie, de la logique, de toutes les sciences profanes. Vraiment cette ambition-là, parce que lui passe de l'un à l'autre. Au début, il enseigne ce qu'on appellerait aujourd'hui la logique, en tout cas l'art du raisonnement, l'art de la description des choses, etc., qui est assez proche de l'informatique actuelle, hein, comment on donne des noms aux choses, comment on organise des entités. C'est un sujet sur lequel les informaticiens travaillent beaucoup. Et puis, vers l'âge de 30 ans, il bascule vers ce qu'on appelle à l'époque la science sacrée, c'est-à-dire apprendre la Bible et les commentaires de la Bible, etc. Mais il y a un problème sur lequel tout le monde bute dans l'Église, en tout cas parmi les chrétiens, depuis au moins le 3e siècle, qui est qu'est-ce que c'est que la Trinité? Comment on dit que Dieu est à la fois un et trois? C'est choquant intellectuellement. Donc il y a eu toutes sortes d'élaborations là-dessus, et Abélard va se lancer lui aussi dans cette réflexion, va construire une compréhension de ce que c'est que la Trinité, et il va appeler ça la théologie. Une théologie, il va en faire plusieurs éditions. Bernard de Clairvaux, son grand adversaire, va appeler ça de la bétologie, de la déconologie, si vous voulez. Il va dire, mais non, c'est un grand mystère, 1 et 3, il faut en parler avec beaucoup de prudence et ne pas donner l'impression aux gens qui peuvent comprendre parce que c'est trop loin de nous. Et Abélard refusait cette idée que c'est trop loin de nous. Il disait non, on ne peut pas croire à quelque chose qu'on n'a pas compris. Ce n'est pas qu'on puisse réellement comprendre Dieu, dit Abélard, mais c'est que le discours qu'on tient sur lui, on doit pouvoir le comprendre. On doit pouvoir parler une langue normale, une langue qu'on est capable de comprendre intellectuellement, aussi quand on parle de Dieu et pas seulement quand on parle des choses quotidiennes. Vous venez d'écrire un ouvrage dans lequel vous actualisez la correspondance d'Héloïse et l'Abélard. Votre livre est finalement une incitation à se pencher sur cette histoire. Comme vous le dites à deux reprises, donc c'était l'un des buts de votre ouvrage. En tout cas, me concernant, ça a fonctionné, puisque ça m'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Et y avait-il d'autres objectifs ? Donner envie de se pencher sur... Peut-être l'origine, c'est de constater qu'Héloïse est mal connue à Argenteuil, qui est pourtant sa patrie. Voilà, on a la maison Héloïse, le boulevard Héloïse, le projet immobilier Cap Héloïse, les agences Héloïse, et tout ce que vous voulez Héloïse. Mais je pense que beaucoup d'Argenteuil savent sans doute que c'est quelqu'un du Moyen-Âge, et ça peut être à peu près tout. Et donc je vous disais, c'est intéressant, surtout dans la perspective féministe, parce que le fait qu'Abélard ait été châtré, une histoire bien triste, mais qui a été un scandale, mais public, mais national, c'est-à-dire énormément de gens de l'époque en témoignent, ils connaissaient l'histoire, ils avaient un avis pour ou contre, exactement comme des célébrités people d'aujourd'hui ou de télé-réalité, mais ça a fait qu'ils ont pu parler, plus exactement écrire entre eux des lettres, y compris tout au long de leur vie, en tout cas après qu'Héloïse ait été chassée d'Argenteuil dans les 10 années qui ont suivi, extrêmement cash, extrêmement cru. Et voilà, quand on compare à beaucoup d'écrits de l'époque ou même des siècles suivants, en fait, est-ce qu'il y a un autre couple dans l'histoire dont on connaît aussi bien la relation du point de vue des deux personnes, hein, pas seulement une personne qui raconte sa vie amoureuse ou sa vie de couple, mais deux personnes qui échangent là-dessus et qui essayent de dire en vérité ce qu'ils ont vécu en s'interrogeant. Ben c'est en fait quelque chose d'assez rare, je crois, dans l'histoire de la littérature et dans l'histoire tout court. Et voilà, et je crois que ça peut intéresser même au-delà d'Argenteuil. J'ouvre le livre quand je l'achète. J'ouvre le livre et je tombe sur ce passage-là. Donc je dis, oulala, ça commence bien. Alors voilà le texte. Donc Pierre parle, je contextualise pas. Hein. Bon, quand même, un peu après, je viens incognito à Argenteuil. Je suis en rute, je n'essaye même pas de me contenir. Mais où se mettre? L'endroit un peu tranquille que je trouve, c'est le coin du réfectoire. Héloïse répond. Héloïse préférerait oublier. Se faire sauter à la cantine par un homme qui t'a enfermé et qui vient te voir en clando, ce n'était pas mon idéal de mariage. Et Pierre, dans un lieu consacré à la Sainte Vierge, ça ne nous a pas retenus. Ça peut quand même étonner et peut-être même choquer certaines personnes. Alors ça, la phrase la plus célèbre d'Héloïse, hein, c'est quand elle dit « Si l'empereur du monde m'avait proposé sa main, si l'empereur du monde m'avait proposé son trône, j'aurais préféré être ta pute que son impératrice. » Et le terme qu'elle utilise, « scorta », je crois, c'est vraiment un mot latin vulgaire. Hein, pour dire, ça correspond à « escorte » aujourd'hui, hein, si on veut. Alors, je ne sais plus si à cet endroit-là, c'est scorta ou meretrix, elle utilise les deux. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été très diversement apprécié. Beaucoup d'auteurs ont même déduit de ce passage-là que forcément, ces lettres avaient été trafiquées et réécrites par quelqu'un d'autre, tellement ce n'est pas possible d'imaginer ça.
C'est pourtant très profond et important. Dans le contexte justement, dans un contexte où le mariage, c'était une relation de sujétion entre l'homme, chef de famille, et la femme qui était à son service, notamment en termes sexuels. Elle ne voulait pas que la relation physique qu'elle avait avec Abélard devienne une relation de sujétion, d'une relation d'infériorité. Et dans les lettres de jeunesse retrouvées en 1968, il y a toute une réflexion. Elle élabore en fait une théorie de l'amour qui correspond, on va dire, à celle des comédies romantiques modernes. Ça a vraiment été inventé par Héloïse, ça, qui est l'idée que l'amour est une sorte d'amitié plus, hein, qui a l'égalité entre les deux personnes et le désintéressement qu'il y a dans l'amitié. Sauf qu'au lieu d'être entre deux hommes ou deux femmes, comme l'imagine Cicéron, qui est l'auteur de référence sur l'amitié à l'époque, ben ça peut être aussi bien à l'intérieur d'un couple. Voilà. Donc le couple égal, elle l'imagine comme ça. Et au Moyen-Âge, en fait, il n'y a que trois statuts acceptables pour une femme: mariée, religieuse ou prostituée. Et elle se dit finalement, ce qui est le moins loin de cet idéal d'égalité homme-femme qu'elle cherche, ça reste le statut de prostituée. C'est assez violent, c'est-à-dire, et on retrouve bien ça dans leur histoire de jeunesse, enfin dans les lettres qui s'adressent sur leur première histoire, c'est qu'Héloïse se rend vite compte que l'intérêt d'Abélard pour elle n'est pas aussi exclusif, n'est pas à la hauteur du choix qu'elle a fait, en gros, de se consacrer à lui et à la relation qu'elle a avec lui. Ça la plonge dans une profonde tristesse d'abord, et puis après, elle l'assume. Elle écrit: le choix que j'ai fait de toi réside en moi seul. Voilà. Et elle devient en ce sens-là une héroïne romantique au vrai sens du romantisme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ses propres choix en fonction de sa propre volonté et non pas en fonction finalement de la personne qu'elle a en face de lui. Et en ce sens-là aussi, Héloïse a inventé le romantisme. Frédéric Lefebvre-Narré, merci. Merci beaucoup. Merci.